Hey, salut tout le monde! On est au centre de recherche à Princeville, une zone de 2004 unités thermiques. Et regardez-moi ce soya-là, soya fourragé, troisième année d'essai, super qualité de rendement. On est le 20 septembre et la floraison commence à peine dans la région ici. Ça veut dire que zéro maladie, zéro sclérotinia, excellent pour le fourrage des vaches. Ce qu'on a vu présentement, c'est des analyses excellentes qui vont tourner autour de 77 à 81 de digestibilité. On parle autour de 19 à 21 de protéines. C'est pratiquement une usine, avec un avantage d'une meilleure qualité de fibre qui va faire augmenter votre taux de gras. Ce qu'on a vu comme analyse présentement, c'est une augmentation de 0,2 au niveau du taux de gras. On passe de 0,15 à 0,35 ou de 4,20 à 4,40 en claquant des doigts. Fait que c'est une qualité de d'ensilage qui est exceptionnelle, avec une qualité agronomique vraiment excellente. Très peu maladif, un soya plus sucré, plus appétant. Ce qu'on a remarqué, c'est que les vaches en mangent énormément, donc très appétant. Alors, plusieurs qualités. Ça va être un excellent outil pour si on connaît des hivers difficiles et que les luzernières sont brûlées, sont tués par les hivers, va devenir un excellent outil où tous les producteurs qui ont de la difficulté à produire de la belle luzerne parce que les sols ne le permettent pas, eh bien, ça devient un outil vraiment exceptionnel. Pour plus d'informations, contactez votre détaillant le plus près de chez vous.